Israël et le Hamas sont en guerre depuis maintenant 100 jours, malgré les nombreux appels à un cessez-le-feu. L'État hébreu est devant la Cour internationale de justice pour répondre à des accusations de génocide. Depuis le 27 octobre dernier, date qui marque le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza, près de 24 000 Palestiniens ont perdu la vie selon le Hamas. Le patron de l'Agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU dit qu'une génération entière d'enfants de Gaza est traumatisée. La situation humanitaire s'empire de jour en jour, les maladies se propagent et la famine menace de plus en plus. Près de 85 % de la population a été contrainte de quitter leur logement. Moins de la moitié des hôpitaux de la bande de Gaza fonctionnent. Les craintes que le conflit se propage dans la région grandissent depuis quelques semaines.